Maman va voir Élisée. Il dit, mais je suis malade. Je pense que tu as prié pour moi. Tu dis d'aller plonger dans le Jourdain. Il est fâché, il est parti. C'est quand il a accepté d'obéir à la parole qu'il a été guéri de sa lèpre. Donc si vous avez des choses dans la tête, on ne pourra pas vous aider. Or quand vous venez ici, là, c'est le prophète qui doit te dire, ok, comme tu fais ça, voici ce que tu dois faire. C'est tout. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, son comprend la même. Tu quand même, il m'a insulté, il dit, ton prophète, tu vas voir. Il a insulté ma mère, il a insulté mes parents, il a insulté mon ministère. Ah, il dit non, lui là, il va laisser. Tu veux laisser lui là. Non. Il a pris une bouteille, il a consacré, lui au petit vieux chercheur. Prends la bouteille, tu as 7 jours dans la cour, tourne dans la cour. C'est une heure. Je ne vous dis pas comment parler, c'est très dangereux. Il lui donne une heure où il doit tourner, il a fini de saigner. Il prend la bouteille, casse. Dis le nom de ton papa, dis casse. Quand il a fini, 3 semaines après, c'est 3 semaines, son papa a chié. Nous, on dit s'il a chié. On dit, il a fait quoi là? On dit chié. Défecté, ça c'est le petit français. C'est le gros français, on comprend pas. Il a chié. Il peut se retrouver à l'hôpital, il est paralysé. Il est mort. Aïe. Quand tu as défié, tu dis non, moi je ne suis rien. Je vais te montrer qui je suis. Amen. Amen. Donc, je l'ai orienté. Et depuis ce temps-là, il a commencé à avoir la foi. Il détruit sa fille, il veut manger sa fille. Elle est venue chez moi à Zaropol, l'a délivré. Je lui dis, il est venu, il dit moi je ne suis rien. Et moi, il dit ok, je vais te montrer, je vais te faire le. Moi, je sais faire des visas pour aller de l'autre côté. Visa de ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je me lève matin, dis tiens, je vais t'envoyer ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Si on vous amène, je peux leur donner les visas, c'est facile. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Quand il y aura dans un village, il y a un sorcier, ils vont finir. Je sais comment faire pour les attirer. Parce que tu mets un piège, puis tu mets un poisson, puis souris, ou tu viens manger. Moi, j'ai les pièges comme ça. Quand il fait, il vient. Alléluia. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. On aura l'occasion de vous écouter. Par la grâce de Dieu, soyez patients. Et puis on retourne, on aura l'occasion de vous aider spirituellement parlant. Ici, c'était l'école. Vraiment que Dieu bénisse. Pour votre patience surtout. Pour votre patience surtout. Vraiment, je loue votre courage. Dieu, on le cherche comme ça. On le cherche. De toute façon, vous êtes en train de chercher Dieu. Dieu se révélera à vous. Amen. Amen. Moi, je suis un être humain. C'est Dieu qui est puissant. Vous avez vu, j'étais fatigué, je me suis reposé un peu. Dieu ne se fatigue pas. Donc, il y a votre part de sacrifice sera que Dieu se révélera à vous. Voilà. Et moi, ma prière, il faut que Dieu m'utilise afin de vous apporter ce qu'il faut à votre vie. Voilà. Il ne faudrait pas que ça soit un passage bref ici. Et que cette rencontre puisse vraiment porter beaucoup de choses. Et que vous ayez, n'est-ce pas, la solution à votre problème. Amen. 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 Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. On va essayer de gérer avec le secrétariat tout à l'heure. Au fur et à mesure. Amen. Voilà. D'autres aimeraient que, oh non, mais pourquoi le prophète ne dit pas ça? Non, moi, c'est qui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Comment faire pour te sortir des problèmes? C'est ça mon problème. Si je te dis, fais ça, que tu dis non, mais je te laisse. Continue. Alléluia. Amen. Voilà, ça va toi? Tu sais que tu es morte, non? Tu savais ça? Comment ça? Comment tu fais? Je n'arrivais plus à parler. J'étais là à l'hôpital. Il m'a dit qu'il y avait la faim. Il y avait le souci, mais j'ai cru que c'était à 15-10. Je prenais les médicaments, mais ça n'allait pas. Et c'était le mardi. Je suis retournée à l'hôpital, le docteur n'était pas là. J'avais seulement que le sachet de médicaments. Je suis arrivée à l'hôpital. Au dimanche, je m'en vais à Dibou. Je suis mon prophète. Même quand le cas BG venait, j'ai pris aussi. Quand je suis rentrée ici, j'ai senti un monde de la maladie, donc je sais. Oui, mais ton âme a bougé. J'étais enflée. J'étais enflée. Je ne pouvais pas soulever un bain. Tous mes os. Même pour les gratter, je ne pouvais pas. Mais ton âme doit revenir. Vous comprenez? Amen. Si le corps est réduit, oh, dans le corps. Est-ce que tu m'as parlé de ça tout à l'heure? Pendant que je parle avec lui, Dieu m'ouvre l'esprit. C'est ta situation. Si Dieu me disait que je ne peux pas, tu ne peux pas, c'est pas toi qui dois régler, je ferme ma bouche. C'est ça. Oh, vous pensez que moi, je dois régler tous les problèmes. C'est pas moi qui règle. C'est pas moi. Lui me dit, va régler tes, puis il règle. Oh, quand il me montre, et puis il dit, c'est pas toi. Oh, Dieu est le souverain. C'est ça. Oh, si Dieu m'a dit,
c'est toi, ça doit se réduire. Je lui dis, il faut réduire. Quand vous venez ici, mais c'est pas crassou. Regardez le Seigneur agir. Vous-même, vous devez dire au Seigneur, le monsieur, qu'il soit un instrument qui permet de nous aider. Or, si vous venez pour des crassous, vous avez échoué. Vous avez bien compris? Ah ah! Or, vous venez, il m'a pas vu. Il ne voit pas mon problème. Voyez là. C'est comme ça. Même si je vais chez Marabout, Marabout ne voit pas, je suis dans les noirs. Même le prophète même ne voit pas, je suis dans les noirs. Ce n'est pas question de noirs. Amen. Amen. Hey, laissez Dieu nous utiliser en fait de pouvoir vous aider. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'est une ruine de Satan. Souvent les gens pensent que non, il faut que tu viennes, tu expliques toutes ces choses-là. Un spectacle. Non, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour le spectacle. Non. C'est pour aider les gens. C'est tout. C'est pour aider les gens. Vous vous faites sortir d'une situation, vous délivrez. C'est tout mon problème. Le sorcier qui vous mange, qui veut vous détruire, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je vous dis aujourd'hui. Quand vous êtes dans Jésus, là, ne jouez pas ça. Allez, regardez sa vie. Hein? Vos pieds sont comme ça et comme ça. Le sorcier va te manger. Sorcier ne joue pas avec manger. Moi, je suis toujours dedans. Quand vous venez là, soyez dans le Seigneur. Or, ce l'élément sur lequel Dieu a c'est la présence de Dieu. Même si on a mis l'huile, quand t'as déconnecté, ok. Que toi, tu prends l'huile à poêler, tu le tout. Excusez-moi, moi, j'ai les choses, je dis. La force qu'elle a eue là, ça a coûté. Dans une phase de combat spirituel, vous avez compris?
ce qui t'a commencé à t'enfuir, t'enfuir. Commande à l'esprit de mort de quitter ce corps. Or, quand la mort peut vous atteindre, il y a un esprit qui vient de posséder votre esprit, qui est dans votre esprit, qu'on appelle l'esprit de mort. Or, tous ceux qui voient dans les rêves des personnes mortes en rêve, elles sont attaquées par l'esprit de mort. Et c'est fréquent. Ça veut dire que ton âme est déjà attaquée par la sorcellerie. Vous voyez des personnes mortes qui viennent poser avec vous en rêve. Vous êtes en contact avec les morts, cherchez l'église, cherchez un nom de Dieu pour vous délivrer. Je délivre ton âme. Quitte ce corps. Et va-t'en au nom de Jésus. J'ai besoin de son âme. Oui, son âme. Au nom de Jésus. Quitte son corps. Oh, le témoignage que vient de rendre, si tu, quelqu'un ne voit pas, tu n'es pas un voyant, il va te dire c'est fini. Oh, c'est des pièges. On a l'impression qu'on a prié pour quelqu'un sans marcher. Et puis à un moment, paf, la personne est morte. Non. On n'a pas le discernement, c'est fini. Le diable nous détruit. Satan est très dangereux. Vous savez, quand le diable ne lâche pas vite sa prise. Non. Pour donner ton cœur vrai à Jésus, si tu fatigues. Comment? Lâche son âme. Quitte ce corps. Quitte. Quitte! 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 Lâche-la. Lâche son âme. 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 Quitte. Va. Va. Va-t'en. Au nom de Jésus. Je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Je libère ton âme. Je libère maintenant même ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Qui es-tu? Toi. Pauline. Es-tu pas ta sorcière? J'ai crié son nom. Quand j'ai dit tel fait, elle dit oui. Et qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce que tu as fait après? Où tu as envoyé son âme? Où tu as envoyé son âme? Où tu as envoyé son âme? Le feu sur toi. Le feu sur toi. Où tu as envoyé son âme? C'est son père, sa mère. Ils sont déjà morts. Dans la tombe, c'est ça? Donc tu l'as tué.
l'as tué. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Vous l'avez dit, tu l'as déjà tué. Le coupé. Le coupé. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien, elle brille. Elle évolue. Laisse un peu de prière. Si tu prières, sorcier, sorcier, là, il ne peut pas manger que les elle brille trop. Ah, elle brille, c'est ça? Elle brille. Okay. Elle brille. Okay. Elle brille, ça veut dire. Elle a tout. Ah, elle a tout. Donc, tu n'aimes pas ça? Nous sommes la grande soeur. Marie, elle a tout. C'est une femme qui a tout. Tu n'es pas d'accord? C'est ça? Tu n'es pas d'accord? Tu n'es pas d'accord? Oh, cette vie appartient à Dieu. Appartient au Seigneur. Lâche maintenant ce mal. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère son âme. Dans la puissance qui est dans le sang de Jésus. Maintenant, relâche. Relâche-la. Sors. Quitte ce corps. Et va-t'en. Quitte totalement sa vie au nom de Jésus. Quitte totalement sa vie au nom de Jésus. Libère son âme. Libère-la au nom de Jésus. Relâche-la. Tu es mort. Tu m'entends? C'est mort. Lâche-la. Le fait consume tes œuvres dans ce corps. Je maudis tes œuvres. Attends. Va-t'en. La relâche au nom de Jésus. Relâche-la au nom de Jésus. Comme elle est là depuis quand? Où ça? Ici. Elle arrive ici. Je perds du nom de ça. Tu as 3 jours pour que ça se réactive, ton âme revienne. C'est 3 jours. Va t'asseoir. Amen. Nous allons passer tout à l'heure à la réception. Monsieur, tu es sorcier. Vrai sorcier. Tu tues. Et tu manges. C'est ça? Tu tues et tu manges. Tu vas voir? À qui tu dis ça? À moi tu dis ça? Hein? Est-ce que tu as envie de laisser? Est-ce que tu as envie de laisser? Ici, il a troublé de laisser. Hein? T'as compris? Ici, il a troublé de laisser. Tu as tué 18 personnes, tu me dis que quelqu'un ne mange pas. Tu as envie de laisser ou tu n'es pas laissé? J'ai laissé. Hein? J'ai laissé. Quoi? J'ai envie de laisser la société. Oh, Jésus va quoi? Hein? Satan est vaincu. Satan, c'est un plaisantin. On te dit maintenant, tu entres la main de Dieu. Et puis tu pleures. La Bible dit que réjouissez-vous, vous qui êtes dans le Seigneur. On avait déploré. La Bible dit, réjouissez-vous, vous qui êtes dans le Seigneur. Donc, si tu es dans le Seigneur, tu dois te réjouir. Ah, pleurer. Maintenant que tu es dans le Seigneur, il faut regarder la chute de Satan. Satan, c'est qui? Je ne m'intéresse même pas à Satan, parce que je suis au-dessus de lui. Amen. Amen. Oh, les gens ont peur quand ils s'attendent. Mais lui, là, il est terrible. C'est pour ça qu'il n'aime pas les chants où il y a Satan. Quand je chante embêté, je parle de lion, lion-le.
je l'attache ou je suis au-dessus de lui. C'est comme ça. Voilà. Amen. Amen. J'ai quelqu'un qui est vainqueur. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es vainqueur. Touche la poignée, tu es vainqueur. Vainqueur. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es vainqueur. Vainqueur. Amen. Amen. Toi, ça me voit. C'est Jésus. Et si vous avez la foi en Jésus-Christ, c'est fini. Vous avez le pouvoir sur toutes choses. Amen. Amen. On dit amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Je vais laisser. Lui là, il a la sorcellerie des chats. C'est dangereux. Oui. Oh, quand tu as cette sorcellerie là, pour tuer quelqu'un, c'est une façon de se battre. Ou dans des formes de sorcellerie, si vous avez des ça va, monsieur? Ton pouvoir est où ça? Hein? Qui a pris? C'est que tu n'as plus ça? Quand on prend, c'est que tu n'as plus. Oh, tu as ça. C'est pas ça? C'est pas dans ton pied gauche au milieu ici. Là. C'est pas ça? C'est pas ça? Soulève. Soulève le pied gauche. Là. C'est pas au milieu. Soulève, soulève ton pied. Ah, tu es pas sur le dos. Hein? Ah, tu as compris. Vous comprenez? Il dit ça le fait mal. Pourquoi vous avez compris? Vous avez compris? C'est là-bas, c'est détruire tout son pouvoir. Est-ce que je n'ai pas posé la question, son pied? C'est là, c'est détruire son pouvoir. Qui veut se transformer, ça part de son pied gauche. Moi, Dieu m'a fabriqué pour attaquer la société. Amen! Quand je regarde, je l'ai scanné. Je sais où. Non, il y a une idée scannée. Je l'ai prisé, il est petit. Papa, il dit qu'il a mal été. Mais actuellement, moi, je ne peux pas marcher. J'ai réglé. Je suis en train de régler le dossier de la sorcellerie. Moi, le dossier m'intéresse. Quand j'ai rencontré un gars dangereux. Non, ça va. Non, ici, ce que vous devez savoir, c'est que nous ne jouons pas les dossiers de sorcellerie. C'est pas une question de prière. C'est une question de vous délivrer. Ou lui décide d'abandonner, ou il reste dedans. Tu vas rester dedans. Ah, tu as peur de mourir. Pourtant, tu tues. Tu ne vas pas rester dedans. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas vivre. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Cela se trouve son pouvoir. Or, quand je suis à lui, je l'escale. Mon père va me surprendre avec quelque chose. Ok, il a vu, il a scanné, il a déjà maîtrisé. Son pouvoir, c'est fini. C'est ça le don. Dieu peut vous donner des dons. C'est ce qu'il dit aux gens. Dieu est capable de s'investir en vous. Dieu est capable de vous donner les dons les plus terribles, les plus grassos. Oui. Jésus, voici moi, j'avais que. Mais le pied gauche, c'est là-bas. Monsieur, c'est qui dit là-bas? Hein? C'est qui fait le chauffeur? Hein? Ton pouvoir c'est tout là-bas. Hein? Ton pouvoir c'est tout là-bas. Monsieur, tu es courageux, non? Tu as rencontré garçon, il faut parler. Ton pouvoir c'est tout là-bas. Hein? Hein? On a qu'à lever. Je n'ai pas prêt. Non, moi t'as arraché ça. Je vais expliquer ça après. Sinon, ça va nous mettre du temps. Il y a des gens qui ont des ramènes. Moi, j'aime des gens de douceur. J'aime des gens voyous, bizarres, sorciers. Jésus-Christ nous a donné l'onction pour mettre le diable au pas. Parce que depuis l'on les regardait, il faut les inquiéter. Il faut inquiéter le royaume de Satan. Ça va? Ça va? Quand tu es ministre, tu as fait quoi?
Hein? Oh, je t'ai vu. Tu as fait quoi? C'est comme ça que je vais t'aider. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es venu, tu n'as pas pris la terre devant ma porte ici pour parler. Hein? Tu m'as envoyé la foudre contre mon voisin pour gâter ici. Donc tu veux pas que je t'aide? Je mens sur toi alors. Non. Ok. Non, lui il a... C'est dangereux. Ce gars-là, il est dangereux. C'est ça que ça m'intéresse de l'écouter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. 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 Amen. Amen. Chacun a son don. Je respecte les pasteurs. Chacun a son don. Amen. Amen. Tu me fais rentrer dans un village, il a couru direct Canary pour arracher ça. Ah, le prophète, mais il déteste Canary. Mais sauf s'il y a Canary. On n'a qu'à laisser. D'autres veulent qu'on prie, on a prié, ça s'est cassé. Comment? Non, on en est Canary. Ah, et celui-là, non, c'est ce qu'il dit aux gens. Non, vous-même, vous attribuez tous les pouvoirs à Satan. C'est Satan qui est fort, alors. On fait ça, non, c'est Satan. Non, c'est tellement truc qui est bizarre, c'est Satan. Amen. Amen. Pourtant, Jésus, qu'on voit là, Jésus a donné à manger aux gens. Il a fait poisson grillé et pain, il l'a donné aux gens. Vous n'avez pas bien passé avec ça. Pourtant, Jésus dit que nous allons faire la même chose qu'on dit. Vous n'avez pas bien passé prier pour qu'il y ait poisson à l'église et pain parce qu'il est en fait. Non. Le Dieu est pasteur que son église sera tuée. Je vous assure. Le Dieu dit, ben, okay, nous sommes restés jusqu'à ce qu'il est maintenant 15h. Bon, je préfère vous nourrir. Et puis il prie à Rick Kevin. On fuit. Ils se vont scandaliser. C'est-à-dire, le miracle ne peut pas scandaliser les gens. Ils vont se dire, non, le pasteur, c'est pour les envoûter qu'il a fait le riz. Or, Jésus a fait ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, tellement qu'on limite Dieu. On a suivi les miracles à Satan. Non, c'est Satan qui veut ça. C'est Satan qui fait comme ça. Moi, je ne donne pas, je ne te donne pas consolation à Satan. C'est-à-dire qu'il ne me moyen pas. C'est la vérité. Or, Jésus l'a dit, la Bible dit, Luc 10, verset 19, nous a donné le pouvoir de marcher sur les œuvres du diable. Et sur toute la puissance de Satan, qui est l'ennemi, il dit, rien ne pourra nous nuire. Amen. Amen. Or, le pouvoir, Dieu te l'a donné. En tant que croyant, tu as ce pouvoir. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Monsieur, c'est ton terminus où tu es venu. Tu es dans quel mois? Ah, tu ne reconnais pas ta défaite. Hein? C'est terminus. Hein? Tu es d'accord? Tu peux me tuer. Oui, c'est... Hein? Va t'asseoir. Vous l'avez envoyé dans un bon endroit. Nous allons le délivrer. Et s'il ne veut pas être délivré, il y a quelque chose qui va le délivrer lui-même. On te donne le visa. Si tu ne changes pas, tu vas là-bas. Hein? Non, on ne peut pas changer. Si tu ne changes pas, ou tu en moins les gens, tu tues là. C'est là-bas qu'on va t'envoyer. T'as compris? Tu dis non. Tu as fait de mourir. Tu ne veux pas mourir. Pourquoi? Tu ne veux pas mourir. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.